savais que en 2010, l'Ivoire a connu des moments difficiles. Ah, si ça se passe, ton bras. La France a des élections mal organisées, dont les résultats ont été contestés. Aujourd'hui, 22 ans après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, notre pays, Téléphone portable, à la croisée des chemins. Les Ivoiriens ont du mal à s'assurer leur repas partout. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, qui ont vécu 30, 40, 50 ans sans avoir goûté au bonheur d'un premier emploi dans leur vie. Quand on sait que l'âge de la retraite, est-ce que c'est annulé? C'est un sujet majeur. Il importe que nous puissions renégocier efficacement l'unité nationale, la réconciliation des Ivoiriens. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'avons été aussi peuplés d'hommes politiques, qui certainement tous n'ont pas leur place dans cette Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons aborder des élections présidentielles avec des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Combien sont-ils ces Ivoiriens aujourd'hui à l'exil de la sous-région partout dans le monde? Ils attendent que l'espoir de regagner la mer partout. Oui, nous avons l'obligation de faire quelque chose comme politique pour que les Ivoiriens se réconcilient, pour que notre peuple cesse de vivre en nous et qu'on apprenne à revivre encore à nouveau ensemble, sans nous regarder en champ de vie. En cas de victoire, que pourrait être votre premier décret? Commence d'abord sur le terrain, demandant aux Ivoiriens de comprendre l'importance du vote qui pointe à l'origine. Et que chacun aille s'approprier ces élections. Ne laissez personne décider à votre place. C'est un tournant décisif pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour nos enfants. Il faut d'abord que les Ivoiriens comprennent qu'il va aller voter. Pourquoi est-ce que vous êtes indépendant? Votre premier décret. Vous êtes indépendant, pourquoi? J'ai le soutien des Ivoiriens. Est-ce que les militants du PDCI sont Ivoiriens? Est-ce que les militants du FPI sont Ivoiriens? Si c'est le cas, croyez-moi, je suis confiant que je gagnerai ces élections. Eh bien, parce que, madame, je suis militant du PDCI-IRBA et personne ne peut dire le contraire. Je défends le PDCI-IRBA, le groupe et les militants le témoignent, ils ont leur soutien. Midi et tous les jours dans les campagnes qu'on devrait. Je veux seulement qu'il y ait une CEI définitivement consensuelle, qui soit crédible, qui soit indépendante, pour nous amener à des élections quand on va accepter les résultats. Nous sommes pour l'instant dans le provisoire. On peut considérer que je suis un confié aux candidatures et aux chefs de famille par l'époque, c'est possible. Mais après, il faut que M. Ouattara comprenne, que dans son plan comprenne, la nécessité qu'on se parle dans l'urgence pour aller à des consensus autour des questions essentielles. Si on pense au peuple de Côte d'Ivoire qu'on prépare un mec pour s'appuyer. C'est pour ça que ça. Moi je suis confiant. Est-ce que le président va gagner mieux qu'un instant de Gabo? Il est clair que si je le soutiens le président Gabo, ça me fait 47% de chemin au peuple partout. Donc je serais heureux d'avoir sa bénédiction. Et voyez-moi, de ce point de vue-là, je suis serein, je suis tranquille. Le président Gabo, d'ailleurs, je lui salue au passage. J'ai été le voir à deux ou trois reprises à la haine, parce que je ne supporte pas l'injustice qu'il subit en ce moment. Oui, je le dis et je l'assume, parce que nous sommes bien en Côte d'Ivoire, en Afrique. Si on fait la guerre à deux, eh bien c'est à deux qu'on fait la paix, c'est à deux qu'on fait la réconciliation. Si on estime que c'est à la haine qu'on peut faire la lumière sur tous ceux qui sont morts dans ce pays, il y en a eu dans le camp de M. Ouattara, il y en a eu dans le camp de M. Gbagbo, alors qu'on amène à la haine tous ceux qui ont tué et qu'on leur donne la parole et que les Ivoiriens sachent. Mais tant que Gbagbo sera sur la haine, je considère que c'est une injustice. Et vous me trouverez à cette question. Personnellement, vous savez bien que c'est bien la chose essentielle, on va se parler de mon père. Vous savez, l'histoire du président Houphouët, déjà, nous sommes revenus à la pratique démocratique.
au pluralisme. Lui-même a accepté d'avoir un adversaire à l'époque, déjà en 90. Ce sont là ce qu'on appelle les acquis de la démocratie ivoirienne. Nous ne devons pas venir en arrière. Donc je ne suis pas parmi dans les idées de candidature unique, de passer une et de faire le parti. C'est la dernière question. Donc, place à la démocratie et que le meilleur gagne.